Nous sommes ici aujourd'hui sur le site du nouveau centre aquatique élaboré par la Carène, le centre aquatique qui a pour avantage d'offrir des créneaux horaires supplémentaires à tous les publics, que ce soit l'individuel, c'était d'ailleurs une faiblesse de nos deux piscines nazériennes, aux sportifs et aux scolaires. Donc on aura, grâce à ce nouvel équipement, beaucoup plus de possibilités d'accueil sur ces trois typologies de publics. Voilà, le chantier commence, mais avant cette première phase de travaux, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'études, ça représentait presque 2 ans. Donc c'est un chantier qui, en coût de travaux hors taxes, représente 17,5 millions, pour un coût d'opération TTC 27 millions, donc un investissement important de la Carène au profit des entreprises du PTP. Donc 22 entreprises sont mobilisées sur ce chantier qui durera environ 2 ans. Une phase importante et symbolique sera la pose de la première pierre, mais quand les travaux seront un peu plus visibles, avec un sujet attendu qui sera également la révélation du nom de ce nouveau centre aquatique.